Du latin dubitare, qui veut dire balancer ou hésiter, ce mot acquiert un sens philosophique de l'école sceptique, qui considère la vérité comme étant inaccessible. Comment pouvons-nous considérer une vérité comme étant inaccessible tout en sachant qu'elle existe? Tout cela n'est que l'œuvre du doute, n'est-ce pas? Chers auditeurs et internautes de FM Liberté de AfroWeb TV, bienvenue une fois encore dans votre émission On en parle, une émission qui nous édifie. Une émission dans laquelle nous débattons des thématiques, nous parlons de beaucoup de choses de la vie en général. Et nous avons aussi souvent l'habitude d'inviter de grandes personnalités sur ce plateau pour partager avec nous leur expérience de la vie, pour nous enseigner. Et j'espère que vous êtes satisfaits et merci beaucoup de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter sur ce plateau le pasteur Sylvain Mwamba. Il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi entrepreneur. Un entrepreneur, n'est-ce pas très bien pour la thématique du jour, qui n'est que le doute, parce que sans le doute, on ne peut pas entreprendre dans la vie, n'est-ce pas? Donc, chers spectateurs, merci d'être connectés et bienvenue encore une fois. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de souci. Et merci pour l'introduction. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez quelque chose à dire à certaines personnes avant qu'on ne commence l'émission, allez-y, pasteur. Juste vous saluer et vous dire de rester connecté à ce programme. Nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour être une bénédiction pour vous. Ouais. Donc, suivez attentivement et prenez aussi plaisir à en parler, à partager avec vos bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Quand je dis le doute, qu'est-ce qui vous vient en même temps en idée? C'est d'abord un état d'esprit. Mm-hmm. C'est cette image qui contredit ou qui s'oppose à la vie de la foi dont nous sommes l'objet en Christ Jésus quand nous marchons avec Dieu. Voilà. OK. C'est-à-dire, le doute, je veux aussi que quelqu'un qui n'est pas chrétien puisse avoir une idée de ce que c'est que le doute, en fait. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, je crois que tout être humain sur cette terre fait face au doute. C'est-à-dire, c'est un obstacle, c'est une chose, c'est une situation, c'est une réalité dont fait face tout être humain. C'est-à-dire, il y a une réalité. Parfois, on ne veut pas forcément faire face à cela, mais ça nous vient, c'est ce que vous voulez dire? Ma sœur Edith, je voulais que nous puissions comprendre que sur cette terre, nous sommes tous exposés à diverses choses. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes exposés à la drogue, nous sommes exposés à l'alcool, nous sommes exposés à vivre une bonne vie. Je vais seulement dire que nous avons le choix et nous sommes exposés à toutes choses et à beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est à nous de faire le choix, soit de nous laisser mouvoir avec le doute ou autre chose. OK, merci beaucoup. Pensez-vous que cela vient du fait du manque de confiance, le doute? C'est-à-dire du manque de confiance, parce que je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes capacités. C'est ce qui amène à ce que je doute. Est-ce que c'est le manque de confiance qui nous fait douter parfois? Bon, avant d'y arriver, je veux que nous puissions tous comprendre que chaque mot prend un sens seulement dans son contexte. C'est-à-dire, comme j'ai dit auparavant, que nous sommes exposés au doute, comme nous sommes exposés à beaucoup de choses dans la vie terrestre. Avant de répondre à votre question, nous devions d'abord comprendre ou nous accorder qu'est-ce que nous attendons par les doutes. OK. Les doutes deviennent ou est cet état d'esprit. Un état d'esprit qui te met en position de ne pas croire.
Le doute devient un état d'esprit de quelqu'un qui hésite ou un état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas de certitude. Vous voyez? Okay. Et avec ça, si je rentre maintenant dans votre question, nous rentrons dans les contextes, je ne veux pas directement dire que le doute, c'est le manque de la foi ou c'est le manque de confiance. Je vais faire entrer le mot doute dans son contexte. C'est-à-dire, quand je doute de moi-même, pour dire qu'on peut douter de soi-même, on peut douter de son prochain, on peut aussi douter de sa connaissance. En quelque chose, quoi. Oui, on doute en quelque chose et le plus grave, c'est quand on doute de Dieu et de sa parole. Okay. Alors, quand je doute de moi-même, quand on doute de soi-même, ça devient cette expression-là que vous avez sortie, ça devient le manque de confiance de soi. Et cette manque de confiance exprime une sorte d'ignorance des habiletés, des capacités que nous avons, des capacités naturelles que Dieu a doté l'homme, que Dieu t'a doté, toi et moi. Quand je doute de moi-même, je commence à marquer cette marque de confiance en moi-même, en mes habiletés. Quand je doute de mon prochain, je peux être réticent en fonction de ce que mon prochain fait ou ce que mon prochain dit. Mais le doute envers mon prochain peut avoir beaucoup de paramètres. C'est-à-dire, si je connais la personne, je connais la réputation de la personne, je sais que cette personne n'est pas sincère, cette personne n'est pas honnête, en fonction de la réputation de la personne, je peux facilement tendre à douter de ce que mon prochain dit. Voilà, parce que je la connais, je sais quel genre de personne elle est. Vous voyez? Voilà. Au moins, je suis déjà prédisposé à ne pas croire à ce que mon prochain dit. Voilà. Donc, ça sort encore dans le cadre de ce que vous avez dit tout à l'heure là, le manque de confiance. Je manque de confiance à mon prochain à cause de la réputation que j'ai de mon frère. Okay. Il y a aussi ce que nous appelons les bénéfices de doute. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un annonce quelque chose, quelqu'un parle de quelque chose, vous accordez crédit à ce qu'il dit, mais avec réserve. Vous êtes un peu réticent. Voilà. Alors, il y a maintenant le mot doute dans sa profondeur. C'est quand nous parlons du doute à la parole de Dieu, du doute en Dieu, du doute à l'existence. Et c'est là que le mot doute peut revêtir le sens du manque de la foi. Okay. Donc le doute envers soi-même, c'est pratiquement le manque de confiance. C'est beaucoup plus clair quand nous allons sur cette tendance-là. Et le doute vers son prochain aussi. Mais quand nous doutons vers la parole de Dieu, ça devient le manque de la foi. Ok. Donc, ça veut dire que si je doute de mon existence, donc cela veut en quelque sorte dire que je n'ai pas confiance en ma personne, voilà, n'est-ce pas? Exactement. Et je n'ai pas aussi confiance en celui qui m'a créé. Exactement. Ok. Merci. Le doute peut-il nous mener à l'échec? Le doute détermine beaucoup de choses dans nos vies. Pourquoi je vais affirmer ce que vous venez de dire? Pour ressusciter cette terre, nous sommes appelés à revêtir un état d'esprit qui peut nous équiper, qui peut nous donner la force, qui peut nous donner les habiletés pour avancer dans la vie. C'est-à-dire, si je peux me permettre de vous plonger dans la parole de Dieu. Allez-y, vous êtes libre, pasteur. Dans la parole de Dieu, si nous allons dans le livre de Marc, le chapitre 9e, je vois ici Marc, le chapitre 9. Je vais vous faire voir que le doute peut avoir des implications très dangereuses. Au verset 23, Marc 9, verset 23. Ça, c'est Jésus qui parle. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Or,
Les doutes, c'est l'opposé de la foi. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Cela nous pousse à conclure que si tout est possible à celui qui croit, donc tout est impossible à celui qui doute. Voilà. Ça, c'est très clair. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, avec le doute, tu déplais à Dieu. C'est clair. Alors, dans cette référence ici de Marc, le chapitre 9e, c'est un contexte dans lequel un homme est venu avec son enfant qui était possédé d'un esprit mauvais. Et comme les disciples de Jésus ne savaient pas donner une réponse ou satisfaire les besoins de cet homme, le contexte ici dans Marc le chapitre 9e, si vous lisez à partir du début, nous fait voir que Jésus était allé à la montagne avec ses disciples. C'est l'histoire de la transfiguration. Maintenant, plus bas ici, Jésus s'adresse à ses disciples. Il les reproche de leur manque de foi. Pourquoi ils n'ont pas pu délivrer, aider, répondre au problème que cet homme avait soumis aux disciples. Et finalement, Jésus a demandé qu'on fasse venir l'enfant. Écoutez ce qu'il dit au verset 9. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Je descends. Et aussitôt, l'enfant vit à Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit le papa. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Aide-moi et compassion de nous. Écoutez maintenant la réponse de Jésus au verset 23. Jésus dit, si tu peux, cet homme était en train de demander un service à Jésus. De son enfant qui était possédé d'un esprit mauvais. Au lieu de demander à Jésus avec assurance, avec foi, avec confiance. Il dit, si tu peux. Il dit à Jésus, si tu peux. Et la manière dont c'est écrit dans la Bible, c'est avec exclamation. Jésus dit, si tu peux. Donc, Jésus faisait directement des reproches à cet homme. Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Donc, le père de l'enfant était dans les doutes. Il n'était pas certain. Il n'y croyait pas parce qu'il était habitué. Il a répondu à Jésus. Que ceci lui arrive, ceci arrive à mon enfant depuis son enfance, depuis son jeune âge, depuis pratiquement qu'il est né. C'est une expérience habituelle. Et le papa avait un problème de changer son concept, de changer la manière de voir les choses. Il n'a jamais pensé que cela peut pas. De croire à l'impossible. Jésus lui a fait des reproches. Tu dis, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Donc, nous revenons à notre sujet pour faire voir à nos auditeurs que si tu ne crois pas, c'est que tu doutes. Et si tu doutes, tout sera impossible. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question. Quand vous étiez en train de lire le truc, j'ai une question qui m'est venue là. On dit souvent que, comme vous venez de le dire, pas qu'on dit souvent, vous venez de le dire, tout est impossible à celui qui ne croit pas, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne crois pas, rien ne te sera possible, ne te sera possible, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire, tu te dis, ton intention ou bien ta conscience te dit de douter de quelque chose. Et quand tu le fais aussi, tu finis par te rendre compte que c'est bien que tu y as eu à douter de cela. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux, où je veux en venir. Bon, j'ai dit ici que nous ne devons pas
soustraire un mot de son contexte. C'est-à-dire, même le mot douter peut revêtir beaucoup de sens selon les contextes dans lesquels nous les plaçons. C'est-à-dire, quelqu'un peut utiliser le mot douter, mais à un moment où le mot douter révèle le sens des réticences, des réserves. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, il peut m'arriver d'avoir des réserves sur quelque chose. Mais cela ne me force pas à me retrouver dans les doutes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous interpelle à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et parmi les fruits du Saint-Esprit, parmi les habiletés que le Saint-Esprit dote un enfant de Dieu, c'est l'esprit de discernement. Donc, quand j'hésite, quand je ne suis pas sûr, je dois faire confiance à Dieu par le Saint-Esprit de me donner l'habilité de discerner, de comprendre, de déballer, d'entrer dans la profondeur pour décortiquer quelque chose et d'en saisir le sens. Donc, c'est une interpellation. Et le mot doute ici, comme vous avez posé la question, révèle beaucoup plus le sens de l'hésitation qui m'interpelle en tant que chrétien, en tant que croyant, à faire recours à l'esprit du discernement. Et je vais partager avec vous ici quelque chose de très sensible, de très important. La Bible dit dans Proverbes, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Maintenant, la sagesse de Dieu, dans la Bible, est identifiée comme Jésus lui-même. Proverbes 8 nous parle de la sagesse. Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Et si Jésus est la sagesse de Dieu, et que la sagesse de Dieu demeure dans le discernement, c'est que l'une des qualités que Jésus nous donne quand il habite en nous, c'est l'habilité de discerner. De discerner. Et le discerner nous aide à nous équiper pour prendre position, mais pas forcément à douter. À douter, ok. Donc, il y a une grande différence entre douter et hésiter, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, pasteur, est-il possible de complètement, je veux dire, bannir le doute de notre vie quotidienne? Est-ce possible de ne jamais douter? Dire jamais, c'est un peu aller trop à l'extrême. J'ai dit tout à l'heure que dans notre vie terrestre, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Et nous avons le choix. La Bible dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, les biens et les mal, la malédiction et la bénédiction. Et Dieu dit, choisis la vie, choisis les biens, choisis la bénédiction. Donc, Dieu nous donne le choix et il nous donne aussi les conseils. Nous avons devant nous la vie de la foi et la vie de l'incrédulité. Et nous devons choisir. Et j'ai choisi de croire. Et la manière de croire et de rester dans la foi, c'est d'avoir la connaissance. Donc, c'est possible de vivre dans la foi sans douter quand on a la connaissance. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, 6. Donc, plus j'ai de la connaissance, plus j'accumule de l'expérience, plus je m'équipe avec la connaissance, moins l'ignorance, les ténèbres, les doutes peuvent encore exercer leur pouvoir en moi. Donc, cela veut-il dire que si la personne qui ne doute pas peut facilement avancer dans la vie parce que la personne a la connaissance, la personne a le discernement, la personne saura où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, ma sœur.
Je vous donne un exemple facile. Allez-y. La foi peut être identifiée comme le moteur dans votre véhicule. Le moteur dans le véhicule équipe. En anglais, on dit empowered. Ça donne l'habilité à ton véhicule de fonctionner, de rouler et d'aller de l'avant. Donc, une personne qui doute ou la vie de doute, ça imaginez comme un véhicule sans moteur. Et je reviens à votre question. C'est-à-dire, avec la vie de la foi, vous vous équipez des habilités pour bien fonctionner et aller de l'avant. J'aimerais que vous puissiez répondre à votre question, mais d'une autre manière. La raison pour laquelle j'ai posé la question là, parce que la vie dans laquelle nous vivons, ce n'est pas tout le monde qui a la foi, tout le monde qui croit en Dieu, tout le monde qui se gêne trop à avoir la connaissance et autres. Mais il y a des gens qui vivent comme ça dans l'ignorance, mais qui arrivent, c'est-à-dire qui arrivent à réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces genres de personnes-là? C'est-à-dire la personne n'est pas chrétienne, la personne n'est pas, elle ne croit pas en Dieu, elle n'a pas la connaissance, comme vous voulez de le dire, mais elle évolue facilement dans ses œuvres, dans tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces genres de personnes? Ok. La parole de Dieu ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. La parole de Dieu, c'est un livre des principes. Des principes qui doivent être appliqués par tous. C'est-à-dire, quand un païen applique ces principes-là, ça va marcher pour lui. Quand un croyant applique aussi ces principes, ça va marcher pour lui. Je vous donne un parallélisme. Quand il pleut, pleut-il seulement pour les méchants ou pleut-il seulement pour les bons? Il pleut pour tous. Il pleut pour tous. Yeah. Donc, la vie est faite des principes. Quand nous appliquons ces principes-là, ça marche pour nous. Quand je parle ici de la vie de la foi, cela ne devrait pas seulement se limiter à cette foi profonde que toi et moi, nous avons en Dieu au travers de Jésus-Christ. Je parle de la foi comme cette habilité. En anglais, on parle de « driving force ». C'est-à-dire une force dont vous êtes équipé qui vous amène de l'avant. Je veux vous amener dans un exemple plus facile et nous allons lire, si tu le permets, allez-y, dans Jean le chapitre 20, le verset 26. Jean chapitre 20, je vais aller au verset 26. Le verset 26 nous dit ceci. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, Jésus se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici. » ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule et crois. Écoutez, j'ai voulu lire ce contexte qui est bien connu de l'histoire de Thomas, à qui on avait annoncé la résurrection de Jésus, mais qui avait refusé de croire. Il a dit, à moins que je mette mes doigts sur ses côtes, que je les voie avec mes yeux, je ne croirai pas. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, qui sait tout, qui connaît tout, qui est partout, nous a fait du bien. Parce qu'il a apparu ce jour-là, en particulier, pour nous édifier avec ce qui s'est passé avec Thomas. Thomas a fini par être confronté à son incrédulité. Mais maintenant, ce que j'aime ici, c'est ce que Jésus dit dans le verset 27. Ne sois pas incrédule, crois. D'autres versions disent, ne doute pas, crois.
Je veux vous amener quelque part. En français, Jésus parle ici à l'impératif. C'est-à-dire ce n'est pas un choix, c'est un ordre. Toute personne qui croit en quelque chose, il se fait équiper d'un pouvoir pour conquérir, pour réussir, pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, c'est une obligation. Maintenant, votre souci, j'ai compris, vous vouliez me faire voir qu'il y a des gens qui sont des incrédules, oui, ou qui sont des païens, mm-hmm, qui ne croient pas la parole de Dieu, mm-hmm, ou qui ne sont pas des chrétiens. Qui n'ont peut-être jamais touché la Bible. Mais... Je vais me baser sur la fondation de la parole, sur base des principes. Mm-hmm. C'est pourquoi j'ai parlé des principes. Quand il pleut pour les méchants et il pleut, mm-hmm, aussi pour les bons. Quand un méchant applique un bon principe, mm-hmm, ça va marcher pour lui. Il aura des résultats. Mm-hmm. Quand une personne bonne ignore les principes, refuse d'appliquer les principes, qu'il soit chrétien, qu'il soit croyant, qu'il soit musulman, de toute tendance religieuse confondue, mmh, il va en subir les conséquences. Mmh. Donc, la foi est exercée pratiquement par tout le monde, seulement dans des dimensions différentes. Ici, Jésus donne l'instruction. Il dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Il dit à Thomas, ne doute pas. Mmh. Quoi? Croire en quoi? Tu dois croire à l'habilité que Dieu t'a donnée. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Oui. Tu ne vas pas me dire que tu avais vu un verset biblique qui t'a convaincu de venir aux États-Unis. Oh. Tu avais reçu l'information. Yeah. Tu t'es impliqué dans une cette procédure. Mm. Et puis, après plusieurs formalités, tu t'es retrouvé aux États-Unis. C'est-à-dire, tu avais commencé par croire, mm, accepter la connaissance que tu avais accumulée, avait fait naître en toi une confiance. Cette confiance-là, c'est ça ce que j'appelle en anglais « driving force », mm, la force nécessaire qui vous a convaincu pour prendre des actions nécessaires pour que vous vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Yeah. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, très bien, pasteur. Très bien. Ok, je rappelle que le pasteur... Sylvain Mwamba n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi entrepreneur et chef d'entreprise, bien sûr. Donc, pasteur, sortons du côté un peu religieux, mm-hmm, et venons du côté chef d'entreprise. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez partager, les principes que vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent, mais qui ne sont pas des chrétiens, mais qui veulent entreprendre, c'est-à-dire arriver à réaliser leurs rêves? Parce que quand je vous ai posé la question de savoir si quelqu'un qui ne... Il y a des gens qui ne croient pas, mais qui, mm-hmm, arrivent à réussir leur vie. Mm-hmm. Vous avez parlé de certains principes. Je sais que vous venez tout juste d'expliquer un processus en donnant l'exemple de moi, mm-hmm, étant aux États-Unis. Mais je veux que vous donniez des principes, là, c'est-à-dire ces principes-là soient concrets pour que quelqu'un qui nous suit puisse en profiter de cela, de ces conseils-là, pour pouvoir arriver, c'est-à-dire à réaliser les rêves que la personne a réalisés, quoi. Je ne sais pas que, si vous me comprenez un peu. Yeah. Votre souci, avant de poser cette question, vous étiez en train de vous demander qu'en est-il de ceux-là qui sont des incrédules, des païens, mais qui, oui, réussissent. Oui. J'ai dit que ces gens-là, comme tout le monde, est soumis aux principes. Mmh. La Bible, c'est un livre de principes. Vous appliquez les principes, ça marche pour vous. Nous avons au début parlé de la foi en soi-même, mm-hmm, c'est-à-dire la confiance en soi-même, mm-hmm, la foi en son prochain. Mm-hmm. La confiance en son prochain qui peut être atténuée à cause de la réputation de la personne, mm-hmm, et la foi en Dieu. Et nous avons dit que le doute peut revêtir plusieurs sens selon son contexte. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, je voudrais que nous puissions tous comprendre que tu sois entrepreneur, que tu sois un travailleur, que tu sois un enfant, un étudiant, un parent,
dans tous les angles que tu fonctionnes dans la vie, tout ce que nous faisons doit être posé, basé sur un principe. Mm-hmm. C'est-à-dire, même moi, en tant qu'entrepreneur, les habiletés que je suis en train de promouvoir ont leur source quelque part. C'est-à-dire, je vois ma vie sur base des connaissances que j'ai accumulées et ces connaissances vont faire régir ma vie. C'est-à-dire les expériences que tu as eues à avoir dans la vie. Yes. Que... À part les expériences, c'est aussi les connaissances, les principes sur lesquels sont basées ma vie. Mm-hmm. Donc, moi je suis un croyant, je suis un chrétien, je sers Dieu, je suis ministre de l'Évangile, mais ma fondation, mes références, ce sont les principes de Dieu. Et ce sont ces principes-là qui régissent ma vie. Maintenant, je dis tout ça parce que tout ce que j'ai fait sont motivés par la parole de Dieu, par ma foi. Donc, tout entrepreneur, toute personne dans la vie a ses références quelque part. Et mes références, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, vous vous référencez. Vous voyez? Alors, si je devrais partager quelque chose pour édifier nos auditeurs, pour vous édifier, même pour m'édifier moi-même, parce que mes propres expériences m'édifient moi-même aussi, je peux nous inviter à nous plonger dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Je veux que nous puissions voir là-bas quelque chose qui va nous édifier. Le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Je commence par le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ici, Jésus parle de la sagesse. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, toute personne sous cette terre a besoin de la sagesse. Comme j'ai dit avant, Jésus dit, crois à l'impératif. Et je suis allé loin pour vous faire voir que la parole de Dieu nous fait voir que la sagesse de Dieu a pour demeure le discernement. Et Jésus est la sagesse de Dieu. Je vais maintenant aller plus loin pour lire le verset 6e. Après que la Bible nous ait montré l'importance de la sagesse et que nous acquérons la sagesse d'abord en demandant cela à Dieu, la sagesse est aussi acquise par les expériences de la vie et par la connaissance que nous accumulons. Maintenant, au verset 6, la Bible dit, « Mais tout ce que nous devons demander avec foi. » Verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, nous avons non seulement besoin de la sagesse, mais quand nous voulons quelque chose dans la vie, quand nous demandons quelque chose de la vie, quand nous demandons quelque chose de la part de Dieu, les principes, la parole de Dieu, même Jésus, nous exhorte à demander avec foi. C'est-à-dire sans douter. Pourquoi? Parce que quand tu doutes, si tu doutes, tu es semblable à un morceau de bois, tel que décrit dans la Bible, tu es semblable à un morceau de bois qu'on a jeté sur les eaux de la mer et un morceau de bois qui est agité, ça et là. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que quelqu'un qui doute ne sera jamais stable. Parce que la Bible identifie une personne qui doute comme un morceau de bois qu'on a jeté sur le flot de la mer qui est agité ça et là.
Or, la volonté de Dieu pour les êtres humains, c'est que nous soyons capables d'être établis. Quand Jésus est arrivé sur terre, il nous a aidés à comprendre les principes de Dieu. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, dans Genèse, quand Dieu créa Adam et Ève, il leur donna la responsabilité de gérer ce qu'il avait créé. Dieu a d'abord mis un jardin, il leur a donné la responsabilité. Donc Dieu veut que nous puissions avoir des responsabilités, que nous soyons établis, que nous puissions aussi croître. Parce que quand Dieu a donné à Adam et Ève la responsabilité, il les a mis dans les jardins afin qu'ils soient capables de cultiver les jardins. Cultiver veut dire multiplier, entretenir, gérer et faire croître. En tant qu'entrepreneur, c'est que je vais interpeller les gens en fonction de notre sujet du jour, c'est que un enfant de Dieu, tout être humain, un entrepreneur, quelqu'un qui veut aller de l'avant, doit se laisser équiper par la connaissance, doit avoir l'assurance, la foi, et ces choses te donnent l'habilité de prendre des risques mesurés, et ça peut te permettre d'aller de l'avant. Parce que si tu doutes, tu seras ballotté ça et là, et tu ne seras pas établi. Et je ne crois pas que... Tu ne seras pas stable. Tu ne seras pas stable. Or, tout le monde aspire à la stabilité. Nous voulons être stables, nous voulons nous épanouir, nous voulons aller loin. Alors, tu ne voudrais pas avoir dans ta poche, dans ta vie, dans ton cœur, un élément qui va jouer à ton désavantage. Voilà. Donc, le doute ne va pas te faire avancer, ça va te faire reculer. Mais la confiance en soi, la foi en Dieu t'équipe avec cette force pour aller de l'avant et être établi. Merci, c'est très clair. Le doute est-il une maladie ou un feeling? C'est-à-dire, est-ce que c'est un ressentiment, c'est-à-dire, ou bien c'est une maladie? Parce qu'il y en a, comme vous venez de le dire, il y en a aussi qui... À chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, ils se disent « Ah, je ne peux pas arriver, ah, je ne peux pas arriver. » Est-ce que c'est une maladie pour cette personne-là? En partie, oui. Les doutes se trouvent dans ton âme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme est esprit. L'homme est composé de trois parties. L'homme est esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Maintenant, la partie du corps où se retrouvent les doutes, c'est dans ton âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est elle qui fait fonction de la gestion de tes pensées, de tes émotions. Or, nous avons défini le doute comme un état d'esprit ou un état de pensée. C'est un état de quelqu'un qui pense d'une certaine manière. Donc, c'est une maladie. Oui. Ça affecte ton âme. Ça affecte tes émotions. Ça affecte tes pensées. C'est pourquoi je dis que le doute a sa résidence dans ton âme. Est-ce curable? Bien sûr que c'est curable. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Donc, c'est l'ignorance, manque de connaissances, qui t'amène à fonctionner dans les doutes. Donc, plus tu accumules la connaissance, plus tu élimines la portion de ton âme qui est occupée par les doutes. Donc, c'est curable. Et la manière de guérir cela, c'est de s'ouvrir à la connaissance. S'ouvrir à la connaissance. Et d'accepter la connaissance. Demander la sagesse. Yes. Tu vois, il y a des gens qui sont incrédules à telle enseigne que même si vous leur amenez la vérité noir sur blanc, ils ont déjà cette prédisposition, ces refus de croire aux choses qui peuvent être claires devant eux. Et un enfant de Dieu ne devrait pas faire ça. Et pour aller plus loin, toute personne ne voudra pas fonctionner de cette manière parce que si tu oses le faire,
les conséquences vont parler par eux-mêmes. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Chers internautes et téléspectateurs, comme vient de le dire le pasteur, le doute, c'est une maladie. Et cette maladie est curable, bien sûr. Il faut seulement accepter, il faut demander la sagesse, accepter de suivre les principes de la Bible, comme vient de le dire le pasteur, et s'ouvrir à la vie, n'est-ce pas, pasteur? Et je pense qu'on peut bannir ce doute-là de notre vie et pouvoir réaliser nos rêves. Quel est votre mot de fin, pasteur? Pour conclure, je voulais édifier nos téléspectateurs, tous ceux-là qui suivent ce programme et tous ceux qui vont suivre et partager ce programme, c'est que nous avons une destinée sur terre. Dieu nous a appelés et nous a donné le don de la vie que nous expérimentons sur cette terre pour un objectif. Et chaque personne doit accomplir sa destinée. Et la manière pour nous d'accomplir notre destinée, c'est de nous équiper de nombre de choses, entre autres la connaissance, développer nos habiletés, afin de, comme on dit en anglais, to fulfill our destiny, d'accomplir notre destinée. Donc, il est important pour nous d'identifier les choses dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée. Il y a quelque chose que j'ai ici sur ma profil. Dans Jean, le chapitre... Jean, le chapitre 5, le verset 4, dit ceci. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, pour vaincre dans la vie, pour triompher, pour conquérir les obstacles de la vie, pour réussir, pour faire des exploits dans la vie. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute va te faire reculer. Le doute devient comme une sorte de pesanteur qui va te faire noyer. Voilà, j'aime bien cette image qui vient à peine dans mon esprit. Le doute, c'est comme une pierre qu'on a attachée sur ta tête. C'est comme un fardeau. C'est comme un fardeau qu'on a mis sur ta tête ou dans ton âme, dans ton corps, dans ta vie, qui te fait noyer. Et à l'opposé, la foi, la confiance en soi devient cette habilité qui t'aide à surmonter, à vaincre. Comme la Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de la maladie, la victoire qui triomphe de la disette, la victoire qui triomphe des difficultés dans la vie, c'est la foi. Donc, on n'a pas de choix. C'est ainsi que Jésus, connaissant toutes ces choses, quand il en parle, il nous donne un ordre. Dans la Bible, c'est écrit à l'impératif. Jésus fait des reproches aux hommes. Il leur dit, ne soyez pas incrédules. D'autres versions disent, ne doutez pas, croyez. Eh bien, tout est clair. La foi et encore la foi. Bien sûr. On ne peut arriver dans ce monde sans la foi. Qu'on soit chrétien, croyant ou pas, on a toujours besoin de cette foi-là qui est l'arme qu'on tient en main pour pouvoir, avant d'aller à la conquête ou à la recherche de nos biens ou de nos rêves, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup, pasteur, pour tout ce que vous venez de nous dire, pour les explications, pour merci pour tout, puisqu'on a beaucoup appris de cela. Et on doit savoir que dans la vie, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des forces négatives qui nous pousseront à ne pas croire en ce que nous voulons, mais nous devons nous armer de la foi pour pouvoir arriver dans la vie.
Chers internautes et téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir suivi cette émission On en parle. Merci beaucoup pour cette disponibilité-là que vous nous accordez chaque samedi. Et on se retrouve encore le samedi prochain pour une autre émission. Merci et à la prochaine. Bye. We'll be right back.